Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver dans un petit format que je n'avais pas encore testé sur ma chaîne. Donc, comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui, on va s'intéresser à mes encours qui traînent et qui n'ont jamais été terminés. Cette vidéo tombe plutôt à pic hein, parce que je commence vraiment à avoir beaucoup d'encours qui s'accumulent. Ah bon, après beaucoup, hein, c'est relatif évidemment, chacun place le beaucoup là où il veut. Hein. Il y en a qui, au bout de deux encours, voilà, ils n'arrivent pas, ils sont perdus. Il y en a, ils en ont 40 000 et tout va bien. Donc voilà, chacun place là où il veut. Moi, j'ai considéré que mes encours là, ça commençait à faire un petit peu beaucoup. J'en ai 11 à vous montrer si je ne m'abuse. Oui, je crois que c'est 11. Et voilà, pour moi, ça commence à être un petit peu beaucoup. C'est 11 colos que j'ai commencé et que je n'ai jamais terminé. Il y en a qui remontent à très longtemps. Je pense que le plus vieux date de un an et demi peut-être. Et voilà, donc je me suis dit que peut-être cette vidéo me motiverait un petit peu à finir quelques-uns, si ce n'est tous, hein, évidemment. Sur Instagram aussi, en ce moment, on a le petit mouvement Terminons nos encours qui a été créé par Neige Colo et Marine Art, si je ne m'abuse, je crois que c'est ça. Elles avaient beaucoup d'encours et elles avaient envie d'en terminer quelques-uns, donc elles ont créé ce hashtag et il y a pas mal de gens qui suivent le mouvement. Et j'aimerais bien aussi, mais il faudrait que je trouve la motivation de finir, en tout cas, c'est... Voilà, peut-être pas ces 11 encours, mais bon, la moitié, ce serait déjà pas mal. Il y a du Disney, il y a du hors Disney, et ben voilà, je pense que j'ai mélangé, je pense que ça vous dérange pas. Donc ben, on commence tout de suite déjà avec ces deux petits carrés-là. Donc le carré portrait, j'en ai fait un, donc j'ai commencé un colo. Je sais même plus quand, je pense qu'il date d'il y a au moins 5-6 mois celui-là. Et j'avais pas eu la motivation de finir, bah de finir le personnage, mais voilà, je pense que c'est un colo qui me prendrait pas très longtemps si je devais le finir. Donc celui-là, il y a plutôt moyen que j'y revienne si jamais je décide de terminer un de mes encours. Ensuite, dans le art déco, pareil, j'en ai commencé un. Bah voilà, il est justement, il est là. Ça, c'était ma petite note pour me rappeler quelle couleur j'avais utilisée. Bon, j'avais tout juste commencé. Je crois que c'était un soir où j'avais pas du tout envie de me prendre la tête. Et voilà, j'avais mis une base feutre à alcool d'ailleurs. Ah oui, derrière il n'y avait rien, c'est ça. Et en fait, après j'ai fait autre chose et j'ai pas du tout, enfin, je suis pas du tout revenue sur ce coloriage-là. Donc ben voilà, il est tout juste commencé. Donc celui-là, si je devais le finir, il me prendrait un petit peu plus de temps. Donc voilà pour ces deux petits carrés-là. Je vais mettre mes livres de l'autre côté parce que sinon ça va tomber par ici et c'est pas ce qu'on veut. Ensuite, j'ai fait un colo, enfin j'ai dit fait un colo, mais voilà, vous avez compris, j'ai commencé un colo dans le Fairy Miracles de Clara Markova il y a un bon moment déjà, pareil, il y a un peu plus de 6 mois je pense. Je vous ai dézoomé pour que vous puissiez mieux voir. Et en fait, ce coloriage-là, c'était pendant une période où j'avais pas trop envie de colo, j'avais plus trop d'inspiration, enfin je sais pas trop ce qui s'était passé, j'avais une, voilà, une petite panne on va dire. Et j'avais voulu en fait refaire un coloriage de Chris Cheng et j'avais suivi son tuto. Alors le début de colo que je vais vous montrer, sachez-le, il m'a pris environ 4 h 30 parce que le temps de regarder la vidéo, mettre sur pause, prendre les couleurs, faire comme elle et tout, ça prend énormément de temps. Et je pense que c'est ça qui a fait que, je sais même pas où il est d'ailleurs, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pas continué le coloriage, j'ai pas su, enfin, j'ai pas fini en fait le tuto on va dire. C'est parce que ça prenait énormément de temps. Et je vous jure, je trouve plus le colo, je suis désolée, je suis navrée. Ah, c'est là. Donc c'est les petites fraises, je pense que c'est un colo que vous connaissez si vous suivez un petit peu le travail de Christian. Et ben, rien que ça, déjà, ça m'a pris 4 h 30. Donc je me dis que s'il faut faire tout le colo, ça va me prendre une éternité. Je pense que je le ferai, mais alors par contre, je le ferai vraiment par moment, en fait, un soir où j'ai pas trop envie de colo, je pense que voilà, je ferai cette petite partie-là, un autre jour, je ferai l'autre partie. Et peut-être qu'un jour, ben, voilà, j'arriverai à le finir. Mais c'est pas évident, Christiane, elle utilise beaucoup de crayons pour faire peu de choses finalement. Et attention, c'est pas une critique, hein, chacun colorie comme il veut. Mais c'est vrai que par exemple, pour faire une fraise, la nana elle a 12 crayons, donc 12 crayons, 30 000 couches. Donc c'est vrai que ça prend énormément, énormément de temps. Donc ben voilà, c'est pourquoi j'ai pas encore fini ce coloriage-là. Ensuite, l'agenda 2020, c'est un agenda que j'aime beaucoup, c'est celui qui me plaît le plus dans tous les agendas qu'ils ont sortis. Et j'aimerais aussi en 2021 y revenir et faire quelques colos, même si voilà, c'est plus la bonne année, ben c'est pas grave, hein. C'est pas parce qu'on est plus en 2020 qu'on peut plus colorier dedans. Et j'avais voulu faire, d'ailleurs mon agenda il est crade, ça se voit qu'il a un peu vécu la guerre. J'avais fait, alors attendez... Il me semble que c'était partout là. Oui, voilà. J'avais commencé ce petit coloriage-là. Donc, Aura, c'est je sais plus comment il s'appelle.
Et j'avais fait voilà que le petit caisson en bois que j'avais fait avec des crayons vraiment bas de gamme. Je vous en parlerai un petit peu plus si jamais ça vous intéresse. Et je sais voilà, c'était vraiment pour tester les crayons, voir ce qu'ils valaient. Et j'avais commencé par un effet bois. Me demandez pas pourquoi j'ai fait ça. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai fait sur ce petit collage-là. Mais j'aimerais quand même le terminer pour dire que bah voilà, il est terminé. Puis on a un encours dans un livre de Annaline. Si vous me suivez depuis un petit moment, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que Annaline, c'est pas ma passion. Hein. J'aime bien, mais j'ai juste un ou deux livres d'elle, c'est tout. Et je crois que j'en ai jamais colorié des Annaline, si je me trompe pas. Non, j'en ai jamais colorié. Et j'avais commencé cet encours, mais alors ça doit faire un an à peu près qu'il est commencé, mais je l'ai jamais terminé. C'est un livre que j'ai en PDF. Parce que je sais pas pourquoi. J'avais eu envie de l'acheter à ce moment-là en PDF et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et voilà du coup l'avancée de ce coloriage. J'avais fait la robe au polychromos, donc le vert et le rouge au polychromos. Et la peau c'était du Luminance. Je sais pas trop pourquoi je l'ai pas continué. Je pense qu'en fait le fond me faisait peur. J'avais pas envie de faire tous les petits bois, les petites voilà la verdure et tout, ça m'intéressait pas. Alors que maintenant je me dis ben franchement j'aurais pu le faire, c'est pas si terrible, hein, j'aurais pu. Mais je pense qu'à ce moment-là précisément, ça m'intéressait pas, donc j'ai juste fait voilà, juste comme ça et c'est tout. Mais bon, faudrait peut-être que je le finisse, hein. Ensuite, j'ai colorié dans le Romantic Country. J'ai commencé à colorier dans le Romantic Country. Alors, ce coloriage-là, à mon avis, vous l'avez déjà vu si vous me suivez depuis longtemps. Parce qu'en fait, c'est un coloriage que j'avais commencé en mai, peut-être, mai de l'année dernière, mai-juin, quelque chose comme ça. Et c'est un colo que je n'ai pas terminé parce qu'en fait, il m'avait pris la tête à un moment donné. Je vais vous montrer, à mon avis, si vous me suivez depuis longtemps, il va vous dire quelque chose. Et il s'agit de celui-là. Alors j'aime trop 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 ce coloriage et j'aime vraiment ce que j'ai fait, alors que pourtant ça fait plus d'un an que je l'ai fait et je pense que je ferai les choses autrement maintenant. Mais j'aime quand même beaucoup ce coloriage et il me donne vraiment envie de le finir. Sauf qu'en fait j'aime pas du tout la couleur de la maison, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai fait ce bleu moche là, j'avais envie de faire un bleu pastel et c'est parti sur un bleu je sais pas trop. Donc du coup ça déjà ça m'a saoulée, mais bon à la limite je me suis dit bon fais bleu c'est pas grave. Mais le deuxième truc c'est que je me suis arrêtée en plein gazon, je sais pas si je peux dire ça comme ça, et j'avais pas noté quelle couleur j'ai utilisée. Du coup, je sais, enfin, après vous allez me dire, mais on peut retrouver, et puis même si c'est pas pareil, c'est pas très grave, oui, certes, mais ça m'a quand même saoulée, et en plus, c'était hyper long à faire, je me souviens rien que ça, ça m'avait pris une éternité, et du coup, ça me donne pas du tout envie de continuer ici et ici, mais je vais le faire. Le jour où je vais vraiment me motiver à le faire, je vais reprendre mes crayons, même si c'est pas les mêmes, j'ai essayé de retrouver, bon, je pense que en regardant bien, on peut retrouver des teintes à peu près similaires, même si c'est pas exactement les mêmes. Je pense que je peux y arriver, je peux reprendre ce colo et faire en sorte que ça matche à peu près, mais il faut la motivation, voilà. Mais je pense que je le ferai quand même parce que j'aimerais bien le finir dans les 6 prochains mois si possible. Si je pouvais avoir la motivation, ce serait cool. Voilà pour le Romantic Country, c'est le seul que j'ai commencé il y a un petit moment déjà. Alors, ensuite, pareil, je vais vous montrer un coloriage qui vous dira sûrement quelque chose si vous me suivez depuis longtemps. Je l'ai commencé il y a presque un an, oui, quasiment un an. Et je pense qu'il vous dira quelque chose parce que je l'avais mis en story et puis j'en avais parlé dans certaines vidéos. Donc voilà, c'est un colo que je n'ai pas du tout, du tout avancé. Pourquoi? Il y a une raison, hein, c'est pas que je l'ai abandonné comme ça pour rien. Bon alors, oui aussi parce que ça commence à être un peu long. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont dégoûtée sur ce coloriage. Donc la première chose, quelle est-elle? Alors la première chose, c'est que j'avais pas voulu m'embêter à faire un effet doré. Et j'avais mis en fait du Liquitex, du PBO, je sais plus ce que c'est. Et en fait, je trouvais que ça rendait vraiment moche et que j'aurais vraiment dû faire l'effet doré au crayon. Donc ça déjà, ça m'a gavée parce que je me suis dit, bon, bah, je peux plus l'enlever, maintenant c'est foutu. Première chose qui m'a saoulée. Deuxième chose, il y a quelqu'un qui n'est pas mon copain, qui n'est pas un ami, qui a renversé de l'eau absolument partout sur mon bureau à un moment donné de l'année dernière. Et ça a complètement gondolé la feuille. Je pense que vous allez l'entendre. Et ensuite, cette personne a aussi fait en sorte que mon colo soit déchiré. Donc, bon, ben, c'est pas grave, hein. Ce que j'ai fait, c'est que
Comme le colo, ben, je ne pouvais plus colorier dessus parce que franchement, qui va colorier sur des pages déchirées et complètement gondolées? Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté le livre. Donc oui, voilà, vous allez me dire, c'est un peu drastique pour juste un colo. Oui, mais je fais ce que je veux. Et j'ai décidé juste de racheter le livre et c'est pour ça que ben, voilà, je vais le reprendre et je vais le recommencer. Je pense au mois d'avril, je sais pas où il est, ben voilà, il est là. Donc ben, je le recommencerai, c'est pas grave, je le vis pas mal du tout, hein. J'avais commencé certes, mais bon, c'est sûr que si le colo avait été franchement avancé et qu'il restait que un ou deux petits trucs et que la personne aurait mis mon colo dans cet état-là, j'aurais vraiment pété un câble, mais bon, là c'est pas très grave, le colo était pas beaucoup avancé, donc je peux le recommencer. Alors ensuite, on passe à du Clara Markova, encore. Et dans le Fairy Celebration, j'avais tout juste commencé, hein, j'avais juste fait un tout petit détail. Sur ce coloriage-ci, j'avais commencé à faire ben, l'effet sable. Et ben voilà, j'ai laissé tomber évidemment en plein dégradé, sinon ce n'est pas drôle. Donc celui-là, si je dois le reprendre, il va me prendre un certain temps. Mais je le reprendrai, c'est sûr, parce que c'est un colo qui me plaît toujours. On revient dans le Disney avec le bloc Summertime, un des blocs que je préfère. Pas mon préféré, hein. Si vous me suivez, vous savez que c'est l'abécédaire. Mais franchement, j'aime beaucoup, beaucoup ce bloc Summertime. Je trouve qu'il y a vraiment de très beaux colos à l'intérieur. Et j'avais voulu faire un colo. Alors attention, faut être prêt à ce que vous allez voir. Je suis allée dans un délire de couleurs. Je sais pas pourquoi j'avais voulu faire ça. Oui, en plus, je l'avais enlevé pour colorier. Et je sais pas ce que j'ai voulu faire avec ces nuages jaune vert citron, mais il y avait une idée. Je pense qu'il y avait une idée. Mais voilà. Voilà ce que ça donne. Et je pense quand même que je vais le finir parce que ça peut donner un style. Mais me demandez pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà. Donc je le finirai, hein, c'est sûr. Je ne vais pas le jeter, je ne vais pas l'abandonner. Mais des fois, je questionne un petit peu mes choix de couleurs. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Voilà. Donc voilà pour le bloc Summertime. On passe ensuite au Blanche-Neige des 30 scènes cultes. C'est un des encours les plus récents en fait. J'ai commencé au mois dernier, mais bon, toujours pas fini. Donc il est dans cette vidéo évidemment. Juste avant de vous montrer le colo, je n'aime absolument pas le papier. Je sais pas, dites-moi si vous avez déjà colorié dedans, comment vous le trouvez, mais moi j'aime pas du tout. Et du coup, j'ai fait celui-là. Donc j'ai quand même réussi à faire les dégradés que je voulais avec les couleurs que je voulais, il n'y a pas de souci. Mais c'était quand même un peu galère, j'avoue. Du coup, j'ai un petit peu tout testé pour voir ce que le papier, enfin voilà, avec quel crayon le papier fonctionnait mieux. Donc les bonnets, donc les deux bonnets verts, c'est du Holbein. La tunique, on va dire, je sais pas comment ça s'appelle. La tunique et le pantalon, c'est du Prisma. Et les petites chaussures, c'est du Luminance. Voilà, j'ai un petit peu voulu tester mes crayons, voir ce qui fonctionnait le mieux. Et pour moi, je trouve que c'est les Luminance qui s'en sortent le mieux pour l'instant. Les Prisma, ça va aussi. Par contre, les Holbein, oh là 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 là. Mais je pense que vous allez commencer à comprendre que les Holbein, j'aime beaucoup, mais c'est pas sur tous les papiers. Et donc bah voilà le petit encours, j'espère que je pourrai le finir avant la fin avril pour vous les montrer dans la vidéo collage terminée. Donc ça c'est vraiment un encours que je compte reprendre. Voilà. Donc c'était le dernier Disney que j'avais à vous montrer. Il me reste deux colos dont un dans le Flora. C'est un colo que j'ai commencé fin 2019. Ça devait être en novembre 2019 je crois. Et j'ai toujours pas fini, on est en 2021 les gars. Mais c'est pour la simple et bonne raison en fait que j'ai fait une grosse overdose de mariatrol. J'en avais marre de colorier des fleurs et des feuilles, donc du coup j'ai vraiment mis de côté. Et si vous regardez un petit peu mes vidéos ou mon feed Insta, vous verrez qu'il n'y a plus trop de mariatrol depuis peut-être début 2020. Mais simplement parce que voilà, j'ai fait une overdose de ces illustrations. Et c'est pas de sa faute, hein, c'est moi. Mais du coup voilà le colo commencé en 2019 et qui n'a jamais été terminé. Je crois que j'avais fait ça au Polychromos en même temps. À l'époque, j'utilisais que les Polychromos. Donc voilà. Et puis même, je reconnais les couleurs. Ça, c'est du Polychromos. Et comme d'habitude, je me suis arrêtée en plein dégradé. Donc pour reprendre la feuille avec la même idée, ben,
Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La problématique avec les vieux en cours, c'est que, personnellement, entre il y a un an et demi et aujourd'hui, je colorie plus de la même façon, je colorie plus avec forcément les mêmes crayons. Donc voilà, là encore ça va, c'est juste une feuille. Donc pour reprendre un dégradé comme ça, avec les mêmes couleurs, ça peut encore le faire. On verra peut-être pas trop la différence. Mais c'est vrai qu'avoir de très très vieux en cours, c'est aussi prendre le risque de plus avoir la même façon de colorier. Et du coup, les vieux en cours, personnellement, je pense que je vais arrêter de faire ça. Parce que si dans un an et demi, je colorie plus de la même façon encore, ça va être une autre galère. Donc, j'aimerais finir ce colo pour être honnête, mais c'est à voir parce que, comme je vous ai dit, moi, Maria Troll, ça fait un petit moment que je la boude un peu. Donc, on verra comment ce petit colo-là. Ça se finit, mais j'espère quand même le finir en 2021. Et enfin, le dernier colo que j'ai à vous montrer, il est dans le Sagolict, donc le Fairy Tales de Emily Liddell Holberg. Et en fait, j'ai gardé ce colo pour la fin, exprès, parce que c'est un des colos, un des seuls en fait, de tout ce que je vous ai montré, qui je pense ne sera jamais terminé. Pourquoi? Parce que je l'ai commencé il y a un an et demi, que déjà à la base, j'aimais pas ce que j'avais fait. Aujourd'hui, j'aime encore moins ce que j'avais fait. Et que, voilà, j'ai plus la même façon de colorier, j'ai pas aimé mon choix de couleur. Et je me vois vraiment pas le finir. Je sais que dans les commentaires ou en MP, parce que je vous connais maintenant, hein, les amis, je sais que vous allez me dire, oh, mais non, finis-le, il va être joli et tout, nanana. Peut-être que pour vous faire plaisir. Par motivation, je vais me dire, allez, les abonnés, ils m'ont motivée et tout, parce que je sais qu'il y en a qui vont le faire par MP Insta, c'est sûr. Peut-être que je le finirai finalement, mais je le ferai pour vous, hein, parce que franchement, je le trouve immonde. Et oui, tout ça de temps pour trouver la page. Ça, on se refait pas, hein. Donc voilà, le fameux colo commencé. Je sais pas, ça devait être. Je devais avoir peut-être 6 mois de colo à ce moment-là. Maintenant, j'ai un peu plus de 2 ans et je peux vous assurer que je ferai plus du tout les choses de cette façon. Et j'aime pas mon choix de couleur, il y a vraiment rien qui va. Voilà. Donc, pour être honnête avec vous, je saurais même plus comment arranger ça, je saurais même plus quoi faire. Et je pense que même fini, il me plairait pas du tout ce coloriage, je me connais, je sais que si je me force à le terminer, je l'aimerais pas. Mais au moins, ça m'apprend un truc, que quand je commence un colo, ce serait bien de le finir vraiment, soit dans le mois, soit le mois d'après, peu importe. Hein, je ne me force pas à finir des colos, hein, c'est pas le but, c'est de la détente. Hein. Voilà, ne l'oublions pas. Mais essayez vraiment de finir dans les 2-3 mois où j'ai commencé, parce que un an et demi après, pour retrouver l'inspiration, pour retrouver la motivation, pour retrouver sa façon de colorier, retrouver les couleurs si on ne les a pas notées, parce qu'à l'époque je ne notais pas les couleurs, bravo à moi. Enfin, je notais pas les couleurs, je notais pas forcément toutes les couleurs, donc par exemple celui-là, j'ai pas noté. Après, bon, ça se retrouve, hein, je pense. Mais voilà, je pense que vous avez un petit peu compris mon point de vue là-dessus. Attendre un an et demi pour continuer un colo, ça fait long, ça fait très long. Et je pense qu'on verrait énormément, sur celui-là surtout, on verrait énormément la différence de technique. Donc, pour l'instant, c'est un colo que je ne pense pas finir. Mais c'est à voir parce que, comme je vous ai dit, je connais un petit peu mes abonnés les plus fidèles. Et je sais qu'ils vont me dire finis-le, finis-le. Je vous connais maintenant, hein. Donc voilà, j'ai terminé pour cette petite, enfin je dis petite, je sais pas si elle sera petite, mais pour cette vidéo spéciale en cours. Ce qui est sûr, c'est que je vais essayer de finir certains coloriages dans cette pile-là, mais je sais pas si je les finirai tous. On verra comment ça se termine. Je vous tiendrai au courant de toute façon dans les vidéos coloriage terminées. Je pense que vous les verrez finis. J'espère que vous les verrez finis. Ce serait bien. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne après-midi. Oui, chez moi, c'est l'après-midi, donc je vous souhaite la bonne après-midi. De très bons colos. On se retrouve bientôt, j'espère. Et jusque-là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Faites attention. Je vous fais de très gros bisous. À bientôt, bye bye!